Vous n'avez pas parti de l'école, donc vous pouvez raconter un petit peu. Mais si vous n'avez pas parti de l'école, donc là, comment se travailler jeune? Ah ben, 11 ans et demi. 11 ans et demi. Ouais, mais avant de travailler, avant de commencer à travailler, vous étiez marmaille. Et marmaille, un marmaille de cette époque-là, il faisait quoi? Il avait quoi comme jeu? Jeu, t'es marché demi tout nu et courir partout. Sans culotte, rien. Ah bon? Jusqu'à 6 ans, 12 ans. Ah ben, vous n'avez pas honte? 11, ben non. Il ne fait pas avoir honte. On va honte quoi? Il n'y a pas de monde non plus. Il n'y a pas de monde. Là, au Cap-Blanc, il n'y a pas trop de monde. Ouais. Vous avez combien de personnes à peu près? Peut-être une dizaine de ménages à peu près. Ouais, et les gens avaient des cases comment? Une case en bois ou en tôle ou de bandeau dessus. Ouais. Il y avait cave étivée aussi avec? Oui, paillotte étivée, cuisine étivée. Ouais. Et après ça, où l'a grandi? Vous l'avez parti travailler, vous l'avez fait quoi comme travail? Interculteur, notre agronome, chez Branco, notre agronome. Ouais. Jusqu'à temps que. Mais gagner l'argent, le géranium là? Ah oui, mais gagner de l'argent, mais la rouille montait souvent dessus. Ah d'accord. Et rouillait. Ouais. Après, quand elle a disposé d'arrêter le géranium, ouais. Elle a commencé à planter le thé. Ouais. Et le thé, personne n'a pas résisté dedans. Ouais. L'a fini. À cause de fini? Ah ben, elle n'a plus de thé. Le thé, il passait plus. Pourquoi d'après vous, vous allez arrêter le géranium? Ben, le géranium n'est plus de prix. Il est trop. T'es trop cher? Non, on est trop de. Trop de planteurs ici, derrière. Trop de planteurs. Ah, d'accord. Mais là, comme elle n'a même plus. Ah. Et il n'a plus de géranium, il n'a trop de géranium non plus. Ouais. Et là, quand on veut dire, oula, après ça, là, plante le thé, il a fini avec. Ouais. Quand t'es bien eu la vie dans le thé quand t'es planté? Ah, non, non. Moi, non, moi, pas travaillé dans le thé du tout. Non, ah, bon? Non. Mais après, moi, parti, m'a disposé de. De Saint-Joseph. Ouais. Moi, après, tu travailles chez l'entreprise. Ouais. Chez l'entreprise. M'a fait 4-5 ans. Ouais. Mais vous l'avez travaillé dans où tes parents étaient agriculteurs, où oui. Tu es agriculteur. Ah, agriculteur. Et donc vous l'arrêté parce que l'agriculture, il ne marchait plus, il ne gagnait plus rien. Non. Et là, vous l'avez fait quoi après Ma partie travaille chez l'entreprise, en bâtiment. Ouais. Et là, tu gagnes un petit peu la monnaie. Je gagne un petit peu de monnaie. Mais enfin, quand je gagne un petit peu de monnaie, moi, là, on est retombé, il a fallu partir, commencer à opérer. Ouais. Faites des opérations. Ouais. Après. Avant de commencer l'émission, on disait à moi que vous l'avez parti l'armée. Oui, oui. Avant de marier, moi. Oui, avant de marier. Oui. Ouais. Alors, explique à nous un petit peu ce passage de l'armée, après on a revenu sur le travail, ben, bâtiment. Quand marouin de l'armée, moi, je suis sorti de l'armée. Ouais. Moi, après, tu travaillais avec mon papa toujours. Ouais. Et l'armée, t'es gaillard, ça? Parce que vous voulez pas faire, ou si je ne me trompe pas? Ben, non, mais vous voulez pas faire. À cause. T'es dans le monde de la guerre. Ah, d'accord, le père à la guerre, alors, on est bien mort. Oui, on est bien, mais là, pas justement, avec la voix paix de la guerre, moi, j'ai envie de gagner ma croix d'ancien combattant. Ouais. Ah bon, vous n'avez pas fait l'armée au gain de la croix d'ancien combattant? Si, moi, fait mon service militaire. Ah bon, d'accord, oui, vous l'avez fait, oui. Et là, le 14 juillet, moi, j'ai été décoré la croix d'ancien combattant. Vous l'avez fait la guerre? Ouais. Alors, expliquez-nous un peu comment était la guerre. Ah, ben. C'est une moule, ça, non? Ah, ben oui. Mais la fois, vous obligé de supporter ou être dedans. Ah non. Vous l'avez combattu où ça? Alger. Algérie. L'Algérie, comment l'était? Explique-nous un peu dans ce temps. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Comment on voulait dire où? Quand on arrive là-bas, premier jour où l'arrivée, où l'arrive dans l'armée, il a dit bon, ben, ça fait la guerre, ou la partie, ou la prend le barada, ou la partie. Bah oui, ma sortie d'ici est partie. Ouais. Quand je sortais d'ici directement en France, ouais. En France, ça fait les classes, ouais. L'Algérie. Ouais. La jury, elle commence à lancer les ponts. Ouais.